c'était déjà cassé. Plus de temps cassé. Vous avez plus de temps cassé. C'était cassé ici, ici et ici. Waouh. C'est quel quoi, c'est un ciment? Oui, le véhicule. On a bien ramassé. Dieu te fortifie. Hein? Amen. On est resté là pour qu'on discute. Bon, tout est fermé là. Bon, on peut descendre en bas parce que là aujourd'hui les, la direction elle est fermée. On s'assoit pour discuter parce que c'est. C'est vrai. On écrit. Hein? Ok, c'est. Vous avez avec le sénateur, le président fondateur de l'ONG Espoir de vie. Depuis un moment donné, nous sommes en partenariat avec votre structure, c'est-à-dire le parti dont il devait être libéré. Or, on avait déjà dit, ça, avant de la libérer, de nous dire, de nous donner le calendrier. Il y a en pleine activité qu'on a été appelé pour libérer le chirurgien, de même qu'elle soit libérée. Et donc, normalement, c'est-à-dire de bien oui. Oui, c'est dans la matinée. Dans la matinée, parce que pour nous avions bien fait monsieur, oui. C'est son dossier qui est là. Tout est déjà prêt. Et même, il y a des rendez-vous qui doivent suivre pour ses pansements. C'est fait à la fin du dossier, ici. Le programme de pansement qui a été établi par le chirurgien. Et elle devait voir le chirurgien le 22-10e mois. Elle doit suivre un programme de pansement de 1 sur 2. C'est-à-dire qu'elle vient lundi, mercredi, vendredi. Dans la semaine? Oui. Pour les pansements, jusqu'à ce que la plaie. Et compte tenu aussi de la place et l'évolution de ce métal clinique, pour cette raison que le chirurgien a demandé une patte à la maison et venir pour les pansements. De toute façon, on ne peut pas la garder tout le temps ici. Vous-même, vous avez vu, toutes les salles sont presque remplies. Donc, les malades qui commencent à bien se rétablir, on les libère et ils viennent pour les programmes de pansement. Donc, et pourquoi on a fait hier son dossier? Et il m'avait confié le dossier pour me dire d'informer le monnaie la banque d'aller à la maison et venir lundi pour les pansements. Mais j'avais reçu hier de la part de l'administration, Timothée, qui est venu me dire ah, j'ai appelé. Mais ceux qui soutiennent donc m'ont dit s'il y a une possibilité qu'elle reste au moins jusqu'à demain, ils passeront ici pour finaliser certaines choses avant qu'elle ne sorte. Parce qu'ils ne veulent pas que donc soit libérée comme ça dans la région. Donc et aujourd'hui, la direction ne travaille pas. Le chirurgien aussi a effectué un petit déplacement. Okay. Il n'est pas là. Okay. Donc, lui, c'est le docteur Silama. Okay. Moi, c'est le docteur Mahomet Jacques. Donc, le docteur nous a confié aujourd'hui la responsabilité des patients. Ouais. C'est pourquoi nous sommes là. Okay. Alors, comme je venais de dire, je suis le président fondateur de l'ONG. Je suis serviteur de Dieu, pasteur. Pareil pour lui. Moi, je sers Dieu. Établi sur France, j'ai une fondation en Côte d'Ivoire. On a pu intervenir, soutenir une dame, une musulmane qui avait la boîte, c'est ici, elle est opérée. Oui, j'avais vu. Voilà, donc nous on a décidé comme ça de venir dire merci, l'amener, elle-même l'amener, ça fera du bien. Et en profiter pour dire merci à l'établissement et décider de soutenir désormais l'établissement. C'est comme ça qu'on a tenté de visiter les gens, on est tombé sur la fille. Et qu'on a vu, après investigation, on a écouté d'où provenait ce mat. On a senti qu'il y avait une négligence. Oui, oui. Il y a une négligence qui a fait que on connaît un peu l'Afrique. Non seulement il ne va pas à l'école,
Voilà. Et donc, elle est un peu imputée vis-à-vis de la société déjà en souci. Donc, elle devient cadre à soutenir pour une personne. Donc, on a dit, OK, on aimerait la prendre en charge. Et surtout, c'est l'école, il faut la rendre à l'école. Il faut qu'on essaie de discuter avec la population. Et que désormais, on aimerait faire une prise en charge au niveau de l'ONG. Et comme nous, une fois dans le mois, on a les samedis de Samaritain, voilà, on a instauré un truc samedi du Samaritain, donc on va exactement. On était dans une autre activité, on voulait que ça soit ce samedi-là, ce qui rentre aussi dans le cadre de nos activités, le samedi du bon Samaritain, plutôt le bon Samaritain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, discuter, voilà, s'il y a éventuellement certaines choses à faire, on va le faire. Éventuellement, il n'y a pas que Bonke, il y a le jeune homme là. Oui. Et il y a aussi une facture là. Oui, il s'est déplacé ce matin même, il est assis voilà. Jusqu'en bas là-bas. Non, c'est pas le monsieur là. C'est un jeune homme carré. C'est un point, il est en droit avec son passement. Voilà. Okay. Oui. Parce qu'on avait promis payer. On avait promis au nom de la Fonda, l'ONG s'occuper de 6 sorties du bloc, je crois que la facture ferait 1 500 000. C'est ce qui nous avait été rapporté. Voilà, c'est ce qu'on a. On les a même vus une fois à la banque EcoBank. Quand je partais à EcoBank, je les ai rencontrés, tout ça. Donc, ils devaient venir, on n'a pas eu le temps. Également, pareil pour nous, parce qu'on n'a pas la seule activité, on en a beaucoup d'activités. Parce qu'il y a mon entreprise ici, on a beaucoup de choses. On a eu un bout de temps. Donc, on aimerait. Il a dit que lundi, donc il passera lundi. Oui, le lundi. Si c'est lui, il va passer, puisque c'est la direction. Oui. Dans le cas Bokeh nous intéresse, nous, on aimerait la récupérer. Déjà avec le planning, ça, tu me connais d'ailleurs. Nous, elle ne faisait pas partie de notre programme, il faut traduire. Mais bon, on est tombé comme ça sur son programme. On a été touché. C'est une fillette. Donc, et puis amputé, voilà, toute la vie. Voilà, ça nous a vraiment touché. Nous, on a une ONG, donc on a décidé de soutenir. ONG, là, le gros. Nous, on peut soutenir. Parce qu'il y a le fait qu'elle soit malade maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle devient demain? C'est très important. C'est ça qui est plus important. On a demandé, on dit elle ne va pas à l'école, c'est ça, non? Moi, je suis allé à l'école. Il faut qu'elle parte à l'école. Nous, notre combat, c'est ça, il faut que les gens partent à l'école. Nous, t'as 5 ans, mais vous voulez. C'est son droit le plus absolu. Elle est maintenant handicapée. Et ça sera à vie. Merci pour les informations que tu nous as apportées. Oui, bah, pour la problème. Ça me fait énormément de bien. Et la information de la team d'Anoukla. On veut vous accompagner. On va vous. On va faire 4 demain vous aider. On va vous aider pour sauver sa vie. Demain, 4 demain, à bien. Vous n'êtes pas qu'elle se sente seule. Alors, pour. À Kanana, à Diray, ou à Tibé, parce que c'est bon là. À Diray, il faut aller te fouiller depuis. Voilà, nous sommes ONG. On est dans l'éducation, on aide les orphelins, les veuves, c'est important. ONG, là, bro. De nous à Trango. On arrive. Moussou Tessanou, au Montronou. Voilà. Nous, on a la disposition de Dieu pour aider les gens. À la table Roma, à l'Ocosine, à la Cabemou, demain, comment? Alors, on dit qu'elle sort, elle devait sortir hier, c'est nous, nous avons dit d'attendre, nous attendre. Et t'as fait qu'à Dini Black, mais elle a cliqué là, pour qu'elle m'a fait un échec, elle a fait du coup, elle a bandé pour nous. Parce qu'on a donné une parole qu'on veut respecter. De quoi, elle m'a fait qu'à vous bien. Alors, quand elle quitte ici, elle va où? Vous partez où? Elle a été mise là, elle a fait qu'elle t'a mis. Comment ça, elle a fait là? Quand vous avez dit que quand l'enfant va durer, que vous avez notre disposition, donc vous attendez. Donc ça vous intéresserait qu'on s'occupe d'elle, parce qu'on a une version qui était différente de ce qu'on avait comme version. Abena dit Aïnien, ou bien Abena
ben aima ko ayo ke tedina parce que ina kuma kam fa bini motito karamade ka ben dia kuna ka tina nyama ka si bila donc allez occuper dena o bena ben aima diamant ya nous mal ça va les intéresser. Alors, il faut dire, nous sommes tous les humains. Hein. Donc, nous sommes dans un pays de droit. L'enfant, il ne nous appartient pas. Il vous appartient. Quand c'est bon, c'est bien, mais quand il y a problème, il y a un souci. Avec les expériences qu'on a, nous avons sur le terrain. Notre souhait aimerait que tout se passe bien. Alors, je vais poser une question. Qu'elle sortait aujourd'hui, vous allez faire quoi? N'est-ce qu'à très bon, comme à la fois, à l'autre, comme au cabola, à l'autre, 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 ay bolte kunu ay miami da taila ay tena ka da oh dina soke de l'envoi au village et le village c'est loin des Erekoli so wa dab jogo la ka ah jambira ah jazire ko la e bila mara c'est loin de alors le programme de pansement si jamais on n'était pas là est-ce que vous pouvez venir pour suivre tout le programme ay botol la tan abi mais rendez-vous way bro femi ko ya din ka kana kana pense manke na pense manke nati ma tere ko mo na lube nyon yi ayi tena din ta ka village la ayi tena o pense ma o ka di ah ma ti be se deux mani na zire ko le kana pense manke ha pense manke ta lo jumani ne pato ya zire ko le ba mo eta mo na pense manke la ko tere flanya sa ba mo na pense manke ma ti be se yoro ni na zire ko le mo na pense manke na pense manke ba ndu yo mo la ba ma ti be se ta ma ba lo pense c'était quoi. Si il n'y avait pas comme, comme vous l'avez dit. Oui, mais oui, c'est très bien. Si tu n'es pas là. Et penser qu'il allait trouver un logement ici. D'accord. Quand ils sont en pays là, le temps proche, il vient, il loge là-bas dans 3 jours là. Il fait le pansement 2 jours par semaine. 3 jours par semaine. Ils font ça, mais il allait chercher un logement ici. D'accord. C'est ça qui était dans leur projet. Bon, on va faire comme vous pensez. Bon. Et na hakiri mi fani ko akena na mikela akena ay demena wulema. Voilà, ça veut dire on va retrouver comme tu penses là ay te mal miliami de ce quoi ouais on trouver une maison akete ay demena wuma ka woli di nini ka ay boni ni ay ke et progressivement on va établir des accords ko ta na ma ona so ma uto mo bena na sebeke mo no wuche. C'est pas un problème déjà. Problème ou te coudouté. C'est deux mains qui se lavent. On va vous aider. Brofla et Kakinoko. Vous comprenez? Comme déjà, si nous n'étions pas là, comme nous avons quitté, vous devez prendre une maison. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais demain à Emilia ou les Maoutou. Alors, si vous sortez aujourd'hui ici, nous, on va vous loger dans un hôtel. Moi, je vais loger là, il y aura de l'homme, il y aura de ce que je vais loger. Vous allez venir au siège connaître chez nous. Pour que désormais il y ait ce lien là entre la, là où vous êtes au Madonna on a deux mots. Moi je pars à Conakry le lundi. Allez Kakata Conakry. C'est le directeur, celui qui représente. Moi, je suis pas en Guinée. Je suis venu juste travailler. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, mais c'est lui qui me représente. Donc je pars à Conakry pour d'autres activités. Faire sortir d'ici, on va vous loger, on a déjà réglé ça. Appelez l'hôtel déjà, on va le garder là-bas. Ah, on est bini. On va régler l'hôtel pour une semaine. Le temps, on règle. Tu m'as une maison. Tu m'as une avec des cahiers. Si vous trouvez une maison, nous on continuera de payer la maison. Le bon sera autour. Du salut, ONG Benana continue à bon sera. Et on va échanger avec vous. Benana, comment on va analyser, etc. Jusqu'à même avoir une prothèse. Parce que ça nous intéresse. C'est une jeune fille.
Donc, si elle va au village, je pense que sa vie sera gâchée. Pour moi, ça sera gâché. Il faut, faut lui donner une chance d'avoir l'espoir. Et c'est ça, c'est un peu le nom de notre ONG, Espoir de vie. Il faut la sauver, quoi. Il faut sauver. Voilà, donc nous sommes là pour ça. La récupérer. On a déjà emménagé quelque part. Voilà. Ils ne sont pas ici, sont quand ils sont vers Sibiri. Là. C'est Beila ou c'est Kiri? Beila. Voilà, Beila. C'est pas loin là. Des renseignements qu'ils nous ont donnés. D'accord. Oui, mais elle a dit que le village, il faut avoir accès, c'est un peu loin, etc. Donc nous, on va déjà l'établir ici. On va commencer à l'établir ici. Et puis chercher son père, est là, c'est ça? Non. Voilà, c'est donc on va chercher. Elle est hospitalisée. Donc c'est son homonyme qui est là. Ah, ok, on va essayer de voir son père. On va essayer de voir son père, échanger avec lui, préparer certaines choses, éventuellement et suivre certaines choses. Donc nous sommes là justement pour ça. Ok. Merci beaucoup d'avance. Ça nous va droit au cœur. Parce que c'est l'objectif du centre. Je pense que. Oui, on a compris. C'est l'organisation. C'est l'objectif du centre. C'est l'organisation. Ça nous va vraiment droit au cœur. Et nous tenons à vous remercier. Je pense que nos responsables, la plupart, presque tous les travailleurs qui sont là sont des chrétiens. C'est l'amour de Dieu qu'on présente avant tout. Parce que depuis la réception de nos malades jusque dans les salles, l'évangile les accompagne. Et le pasteur est là. Chaque fois, il fait passer des messages dans chaque salle d'hospitalisation. Il y a des haut-parleurs. Le pasteur prêche le message dans son bureau, il la passe dans toutes les salles d'hospitalisation. Il fait en français, dans les langues locales. C'est l'objectif. Donc, voyant aussi certains partenaires qui ont la même vision, je pense qu'on pourra faire ensemble du bureau. Nous pourrons aussi impacter ce qui nous entoure. C'est très important. Vraiment, merci. Et je pense bien que les questions administratives, nous n'aurons pas beaucoup de choses à dire. Mais si c'est sur le plan médical, nous pouvons dire quelque chose. Voilà, pour bronchier, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste maintenant? Pour bronchier, c'est ce que je vous ai expliqué médicalement. Ce qui reste, c'est qu'elle vienne poursuivre le reste de ses pansements. Et hier, elle a une certaine quantité de médicaments. Il faut rester avec elle au moins pour une semaine. Et là, quand elle reviendra pour les pansements et qu'on voit qu'il y a insuffisance de médicaments, là, on fait une prescription. C'est comme ça, le plus se passe. Et les trois jours dans la semaine, on vient pour les pansements. Est-ce qu'on ne va pas déjà appeler les parents ici, discuter avant de rencontrer en salle? Oui, c'est son homonyme. Oui, parce que c'est important que vous ne l'avez pas venu pour trop. Depuis qu'elle est espoir, c'est son homonyme. Fait la prise en charge. Elle fait sa prise en charge. Son papa, je l'ai vu juste une seule fois. Une seule fois, le jour qu'on devait l'amputer. Une seule fois que j'ai vu son père ici. Et sa maman aussi, je l'ai jamais vu. Si, c'est moi, on la voit toujours. Ah, c'est l'homonyme qui est là. C'est l'homonyme qui est elle. C'est l'homonyme qui est là. Oui, c'est pas sa maman. Non, attends. Il y a deux vieilles, il y a deux femmes. Celle qui est venue mettre à tout récemment, elle est venue là, tout récemment. Elle est venue depuis le début. Une semaine. C'est son homonyme. Qui est avec lui, là. C'est son homonyme. Oui. Depuis son hospitalisation jusqu'à maintenant, c'est son homonyme. Waouh. Et sa maman est venue. Ça fait pas. Enfin, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas d'abord si c'est la maman. Pas je sais qu'elle est venue. Là, si ça fait une semaine, c'est quoi? C'est pas elle, du coup. Où est sa maman? Sa maman est venue. Sa maman est venue, ça fait combien de temps? Monsieur, bon, lui, faut te concentrer ici. Non, sa maman. C'est ça, non? On va bien m'arrêter. On a Alors, pourquoi ils ont fait 20 jours aussi d'abord avant que la maman. Alors, pourquoi ses parents ne s'intéressent pas comme ça à la petite qui est aussi grande, qui a une grande souffrance? Souci, il y a bien pour que tu sais, tout le monde est dans ce canal, tout le monde va témoigner pour que tu ailles au pays aussi. Pourquoi tu m'as dit? Aïe, tu m'as dit. Aïe, tu m'as dit. Aïe, tu m'as dit. Aïe, tu m'as dit. Aïe, tu m'as dit.
Papa et maman de la fille sont au village où Diakro. C'est vers où, dans quelle région? C'est dans Béla, hein? C'est dans Béla, mais c'est derrière au fond là-bas. Ok. La fillette était venue sur son homonyme pour un temps. Ok. Ce jour. Là-bas, elle a eu l'accident. Quel agent? Moto. Moto. Ok. Donc pour eux, bon, ils n'ont pas informé vite les parents. Ok. C'est eux qui sont, c'est là aussi qui s'occupait de la fille. Jusqu'à arriver un moment maintenant, ça commence à lui déborder. Donc il a pris la fille, là, il est venu à zéro pour ici. Tout cela, il n'était pas encore informé ses parents. Ok. C'est par après maintenant, il a informé, il a dit qu'il faut informer. Okay. Il a informé maintenant, c'est pourquoi ils ont mis ce retard maintenant des parents. Ok. Ouais, c'était bon à savoir. Oui, c'est bon. C'était. Oh, c'est maintenant, il faut qu'elle guérisse la plaie. On a la maman maintenant, il y a un Djangalo. Ça, c'est la première Djangalo étape. La deuxième étape, c'est son suivi, qu'est-ce qu'elle devient. C'est ça qui nous intéresse. Bon. Moi, je vais être mis, comment faire un bout tout. Dès qu'on a si, dès que tu as dit ici, nous allons au Maka. Comme ça, nous allons établir un protocole et prendre en charge pour son école. Nous allons comme ça, moi, Benana, c'est avec mon union au chair. Nous allons que la garantie des taco à l'oubro. Voilà. Ou en jebro. Nous sommes là pour ça. Moi, il y a un problème. Donc, c'est ce qu'on va faire. On le fait à cause de Dieu. On aimerait que tout se passe bien. Bon, on ne peut pas regarder ça. Moi, tu sais où ma non. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. On imagine si c'était notre enfant. Cause où il est car il y a la mine. Il n'y a rien qui les goûte n'est pas. Nous, on croit beaucoup en Dieu. Beaucoup en Dieu. L'humain est à la L'être humain, c'est la créature de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est de servir Dieu en aidant les gens. On n'a pas d'autre pensée que ça. Nous, on n'a pas de problème avec les religions. Moi, je suis chrétien. Il est chrétien. Vous êtes musulmans. Ça ne nous gêne pas de vous aider. Allah barre Bruma, chrétien là. Mais Allah barre Bruma, chrétien pour le talema. Salama côté talema. Allah barre Bruma, amako belle là. Je m'occupe. Allez, chrétien, les chrétiens. 100 femmes musulmanes. Salama, salama. 100 femmes chrétiennes, 200 femmes veuves. Moi, j'occupe de. Ah ouais, je veux faire mon doula, marana brouillano. Mika ne mousso tessanoule. Mon kemefla. Mon kemefla m'fanae. Mon kémé chrétien, mon kémé islam. Ça veut dire que problème talibros, dinakolo, barré broma. On fait une œuvre de Dieu. Voilà, je veux dire, nous, au-delà de tout, mais c'est comment aider l'être humain. Voilà, parce que pour que deux personnes marchent ensemble, doivent s'entendre. Vous avez mon flat, mon caca, mon caca, chrétien, caca, islam, caca, mon mollet. Mais moi, je demande des becs, crénelés, mon dieu, t'es que crème. Voilà. Et quand c'est comme ça, il y a des clauses, il y a des papiers qu'on doit signer tout à l'heure. Si on va. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est pour ça qu'on a pris le temps de parler avec vous ici. Parce que c'est votre enfant. Non, il vient justement vous aider, c'est votre enfant. On veut comprendre. On veut comprendre. Si on n'était pas là, la suite était pour
mais quand on est en train de faire un petit peu de temps, on est en train de faire un petit peu de temps. L'ONG va vous assister. Nous, on vient vous assister. Alors, il y a un moment où l'ONG est là où le coco, car il m'a donné. Et le papa de l'enfant est là. Il est en train. Il faut qu'il vienne. C'est important pour nous. Même si je suis là, il va rencontrer le directeur. Oui, Naya. Nakana. Ça, c'est très important. Sa maman est où? Directeur. Abad. Ah oui, ça va. Voilà, si sa maman est là, il faut que son père soit là. Nabaya. Merci déjà que ce soit vous. Selon les informations, vous êtes occupé d'elle. Merci déjà de ça. Aïe Bakaba, il faut que l'information soit là. Il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Pour la suite des événements. Il faut qu'on l'informe. Il a besoin de savoir ça aussi. Ça nous intéresserait de parler après avec son papa, physiquement, pas au téléphone. Nous allons passer notre étape. On va tout faire pour qu'elle ait une prothèse. Voilà, merci par exemple. On va lui faire une prothèse et tout va à l'école, tranquille. Nous, on va la récupérer pour l'école tout de suite. Vous allez vous apprêter. Nous sommes déjà prêts. Ça va aller, hein? On va t'envoyer à l'école. Elle a quel âge? Il faut qu'elle parte à l'école déjà. Ce genre de cas-là, elle peut s'être concentrée sur l'étude. Oui. Oui, parce que oui, sur la main là-bas, dans ce sens-là. Elle ira très loin. T'as intéressé l'infirmière? Ah, où est son homonyme là? Il y a une infirmière, elle a son homonyme, c'est qui? Elle a son homonyme. Ah, Julienne. Pas là aujourd'hui. C'est Julienne. T'as fait voir la tête de Julienne? Il y a un Et beau, Kala.
Mais pourquoi tu mets Naomi à côté? Magne, il m'a fait tout ça. Elle est grande. Naomi là. Et puis elle est là. Elle est là. Naomi a sa taille. Naomi. Naomi, c'est la grande. Viens frère de ta maman. C'est Naomi, non? Lui là, c'est qui? Comment s'appelle? Dieu. Dans lui. Ok, on va l'aider. Apprêtez-vous déjà pour qu'on puisse. Normalement, il y a un autre. Allez, les gars, 5. C'est parti. On a pris le stade de l'origine d'attiquer ici. On a beaucoup d'activité. Il est parti. Je suis en train de installer la télé. C'est ça, j'ai dit, maman. Ah, bah, allez, 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 et moi, je ne savais pas qu'il y avait un hôpital comme ça. Donc, je quitte là, je rentre pour être là dans les premiers jours de l'opération et tout ça. Et c'est quand elle a été opérée, je me suis regardé. Et quand ils m'ont tout expliqué, je me dis, bah, attends, c'est l'endroit où on doit être le plus. Quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a trop de miracles que Dieu fait ici. Ouais, trop de miracles que Dieu fait ici. Vous arrivez à sauver les eaux, vous arrivez. Oh, là. Vous avez la même taille. Et t'as d'abord géré là où toi? Qui est sous mon nez? Tu sais, tous les malades, on a envie de béquilles. Et aussi avec certains, on va lui-même. Il faut prendre Naomi. Même mon chat est là-bas. Ah, il y a son air. Bonne journée, papa. Oh, bonne journée. Il y a bon, hein? Bonne journée.
Naomi et Juliette. Naomi et Juliette, oh. Naomi et Juliette, oh. Oh. Bye bye. Bon, allez, 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 ben, nous venons juste d'arriver au siège, ici, ben, ça au sud d'eux. Voilà le siège de l'ONG Espoir de Vie, qui a décidé de prendre en charge mademoiselle Bonke. Voilà, ben, nous sommes venus là juste soutenir. Soutenir parce qu'il faudrait l'aider. C'est une jeune fille, elle a besoin d'aide, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse retourner à l'école. Voilà, nous allons discuter avec les parents, nous sommes maintenant au siège, discuter avec les parents par rapport à la prise en charge. Nous sommes avec ce moment. Le temps que ses parents arrivent, on va s'installer un peu à Zérékoré. Voilà, et chercher à. Est-ce qu'elle aura besoin des pansements, etc. Mais en même temps, la suite, c'est qu'elle retourne à l'école et qu'on lui trouve une prothèse dans l'immédiat. Voilà, prothèse, c'est ce que nous en avons fait. Pour que Bonke demain devienne médecin. Tu vas lui donner une doctorat. Voilà, il faut qu'elle soit doctorat demain. Alors, est-ce qu'on peut lui demander comment est-ce qu'elle est heureuse d'être là? Tu sais, la maman veut aller mieux. Oui. La petite. Bonke. Il n'a rien au dernier. Ah, ma gars, comment qu'elle a dernier? Et puis, on a oublié. Vidéo, on a oublié. Et puis, on a oublié. C'est même galère. Au dernier. Hein? Elle demande est-ce qu'elle veut qu'on l'aide. Non, on ne peut pas. Les Canadiens m'ont demandé à toi. À qui les demandes maintenant? Au dernier. Enfin, au dernier. Ah, c'est pas. C'est de ça dont on a peur. C'est pour ça qu'on veut la récupérer. Parce que pour qu'elle parte. Si elle a un coup de nez, elle a un coup de nez. 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 Elle Il faut que tu partes à l'école, hein? Il faut partir à l'école, hein? Il faut partir à l'école.
Il faut te battre pour que tu sois quelqu'un demain. Nous, on mettra tout pour t'aider. Que le blanc école là, il faut aller à Dia. Hein, c'est que moi, je vais finir. Hein, il est mort par ici. On va devenir médecin, hein, docteur. Docteur, quelqu'un d'autre aussi. Ah ouais? Moi, il va se faire. Il faut la mort, il va se faire. Voilà. On a sauvé le truc. Demain, tu vas sauver les gens. Et que les kangaroos là, moi, il va se faire. Il faut aller faire la mort là. Voilà. Tu vas te battre pour soigner les gens. Et puis, Dia, le kangaroo, il va se faire. Voilà. Ok, bonne arrivée au siège. Au salon, mets-toi au salon. Sur le bureau. Ah oui. Voilà, vous êtes au bureau ici, c'est au bureau de l'ONG Espoir de Vie. Il y a beaucoup d'activités ici et tout ça. Donc, et c'est pas la première personne que cette femme elle a été opérée à Zao. On l'a opérée à Zao. Voilà. Ici, j'étais en train de donner à manger à une veuve sans béry plus 50 000 francs et 100 000 francs guinéens. Donc, nous, c'est un peu nos activités. Voilà. J'étais en train de donner de l'argent. Voici une jeune fille. J'ai perdu son mari, donc enfant félin, je m'occupe de l'enfant. Voilà. Donc ici, c'est la maison où nous aidons les gens en difficulté. Voilà. C'est sur le ciel, tout va se passer ici. C'est important pour nous de venir, de vous faire connaître le siège. Le bureau, tout à l'heure, on va où on les vous loger. Ici, c'est le siège. On peut voir où loger, c'est le siège. Et puis, voir comment vous donner à manger. Voilà. Maintenant, vous avez une semaine pour chercher maison. Comme tu l'as même dit, comme tu l'as dit que si on n'était pas là, ce que vous devez faire, comme vous êtes très loin des Erekore, c'était de prendre une maison. Ben, on va rester dans cet esprit. Et puis quand la plaie va se cicatriser, bien soignée, nous allons passer une autre étape. C'est d'avoir cherché à avoir une prothèse. Voilà, prothèse. Et après la prothèse, nous allons passer à l'étape de la scolarisation. Il faut la scolarisation. Oui, parce que c'est ça. C'est un peu l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, Branke. Tu veux? La Nancy, elle veut aller à l'école. Il a fait quoi à l'école là? Ok. École d'Ami. Elle aime l'école. On va te mettre à l'école. Quand tu dis à l'école là. Alors si tu vas à l'école, il y a qui va à l'école? Il y a déjà quelqu'un d'autre. T'as compris? Voilà. Ok.
Voilà, il faut tout faire pour devenir docteur, tu vas soigner les gens. Il y a déjà d'autres rôles. Il faudra nous passer. Avec la dentelle là-dedans. Tu l'as dit quoi tout à l'heure?